Plus de 60 ans après la libération des prisonniers des camps, il ne reste que l'horreur, la douleur et l'incompréhension. Peu de survivants ont parlé, écrit des livres et participé à des films tellement la parole fait mal. En fréquentant certains d'entre eux, je fus étonné de voir leur énergie, leur hargne de vivre et de créer. Ils n'avaient pas perdu espoir dans l'homme, même si l'idée d'humanité n'avait pas la même signification après les camps. J'ai donc senti le besoin d'en faire un film, de laisser une trace sur cette impression de défier la mort qu'il dégage et qui m'impressionne. Plus tard, en les écoutant, en lisant leurs livres, je compris qu'ils avaient tous tiré une force, une énergie de cette tragédie. En même temps, il est assez singulier de voir comment chacun s'en sort. Stéphane Hessel valorisant l'esprit de survie, Serge Zilberman devenant un des plus gros producteurs français, Armand Gatti explosant dans l'anarchie et la parole exaltée, tandis que Pierre Dex a trouvé son bonheur chez les artistes et dans l'histoire de l'art. Il est évident qu'on ne passe pas à travers ce monde qu'a été le monde concentrationnaire, qu'il est d'ailleurs pas facile de bien comprendre, qui fonctionnait d'une façon à peu près incompréhensible pour ceux qui étaient dedans. C'est une rupture dans l'existence. Quand ça vous arrive très jeune, comme à Simone Veil qui avait 14 ans, c'est une façon d'interrompre la vie. Quand ça vous arrive déjà à un âge adulte, moi j'avais 26, 27 ans, eh bien on peut dire il y a avant et il y a la rupture. La rupture, pour moi, d'autant plus forte qu'elle était vraiment liée à la mort. C'était une survie. Donc quand on survit, on n'est plus le même que quand on vit. Et je suis encore aujourd'hui dans une situation de quelqu'un qui considère qu'il a eu un nouveau bail de vie après son passage par les camps. Ça n'est pas plus difficile de parler des camps de concentration que ça l'était en 1945, tout simplement parce que il faut toujours faire le saut entre un univers tout à fait différent de la vie ordinaire, qui est un univers de la terreur déchaînée, et la vie que les gens connaissent. Après son adhésion au Parti communiste en 1939, à 17 ans, Pierre Dex, élève au lycée Henri IV, est arrêté dès 1940 pour fait de résistance et détenu à la prison de Clairvaux avant d'être déporté à Mauthausen en mars 1944. Après la libération, son histoire est celle d'un intellectuel communiste. Romancier, essayiste, historien d'art, journaliste auprès d'Aragon comme rédacteur en chef des Lettres françaises. Puis, il devient biographe de nombreux de ses amis, écrivains et artistes, dont Picasso, Éluard, Aragon, Pierre Soulages et Zhao Wuqi. Sauveur Dante Gatti, dit Armand Gatti, est né en 1924 à Monaco. Gatti est le fils de Laetitia Luzzone, femme de ménage, et d'Auguste Régnier Gatti, balayeur et anarchiste italien. Armand Gatti est aussi bien journaliste, homme de théâtre, résistant, déporté et anarchiste. Dans sa tumultueuse vie, il a croisé sur sa route les grands qui font une histoire du XXe siècle. Einstein, Mao, Castro, Ho Chi Minh, Malraux. Toujours en décalage, il intervient comme poète sur le terrain des historiens, comme cinéaste chez les biographes, mais il se veut surtout comme passeur d'histoire. Son œuvre est engagée et révolutionnaire. Son théâtre est celui de la lutte et de la rébellion. L'un des personnages de la pièce V comme Vietnam l'affirme. Il y a toujours chez l'homme quelque chose qui s'insurge. Les personnages de Gatti sont hantés par la défaite, par la répression du pouvoir, la haine et la violence. Voilà, disons, ce qui m'a amené là... Oh, c'est une histoire très, très... très particulier. C'était très simple, j'étais amoureux. Oh, oui.
Serge Zilberman, né le 1er mai 1917 à Łódź, alors dans l'Empire russe, est un producteur français. Il est un des seuls à pouvoir être comparé aux grands producteurs atypiques hollywoodiens comme David Zelnick, Alexandre Korda. Le nom de Zilberman est attaché aussi bien aux cinéastes des années 50 comme Melville ou Becker qu'aux grands cinéastes classiques des années 70, Buñuel, Oshima et Kurosawa. Quand on lui demandait d'où il sortait cette énergie, cette hargne pour gagner et imposer ses idées, il répondait qu'un homme comme lui, né la deuxième fois à Auschwitz, les obstacles financiers lui paraissent de la gnognotte. Et ce n'est pas par hasard s'il a demandé que ses cendres soient dispersées à Auschwitz, lieu qu'il obsédait dans les dernières années de sa vie. Stefan Frédéric Hessel, né à Berlin le 20 octobre 1917, est un ancien résistant, diplomate et ambassadeur français. Dès 1941, il travaille pour les services de renseignement, le BCRA, à Londres. C'est là qu'il rencontre De Gaulle, Jean Moulin et Pierre Brossolette. À sa demande, il est parachuté en France où il est arrêté le 10 juillet 1944 et envoyé au camp de Buchenwald, puis de Dora. Il échappe de peu à la pendaison et réussit à s'enfuir lors d'un transfert en prenant l'identité d'un mort du typhus. Depuis, il a travaillé à l'ONU et a participé notamment à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Et quand je lis Primo Levi ou que je lis Anthelme, je me dis, toi, tu es passé par là, mais tu n'es pas passé par là comme beaucoup de tes camarades. Et ça, c'est évidemment aussi un mélange de responsabilité et de satisfaction. Responsabilité, c'est ce que je retiens toujours. Quand on a été vraiment très proche de la mort, alors il faut que ma vie, eh bien, je l'engage. Et je crois que mon engagement ultérieur pour les droits de l'homme, pour la coopération internationale, tient quelque chose de cette expérience des camps. Celui qui n'a pas péri, qui a survécu, mais grâce au sacrifice d'un autre, eh bien, il faut qu'il fasse quelque chose de sa vie. Et après, j'ai fait la même chose au studio. Et là-bas, j'ai rencontré Rabinovitch qui m'a appris le métier. Oui, Rabinovitch était ami de Prévert. Il a fait Tchèque de Brume, il a fait Libéraï, il a fait. Jusqu'au jour, j'ai dit, merde, je vais trouver tout ça. Après, j'ai dit, je vais prendre commerçant. Je vais trouver ça. Commerçant, je vais. Une fois devenu producteur indépendant, Serge Zilberman commence par produire quelques-uns des meilleurs films de son époque, comme Bob le Flambeur de Jean-Pierre Melville, Le Trou de Jacques Becker, Le Journal d'une femme de chambre de Luis Buñuel, Ran de Akira Kurosawa, Aka de Chris Marker et Max mon amour de Oshima. Moi, les camps ? La réponse, je suis toujours dans le camp. Je suis toujours.